sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound. Salut tout le monde, Gab le Gamer ici. Enfin l'épisode numéro 36. J'ai gossé pendant longtemps pour réussir à refaire fonctionner toutes mes affaires. Je m'excuse du délai, c'est incroyable. Je sais que ces temps-ci, j'ai beaucoup de délais là, puis j'essaie de régler ça. Mais là, au moins, cette fois-là, c'est pour une très bonne cause parce que j'étais écœuré que à la fin de mes vidéos, on commence à perdre des bouts de rue puis de chemin puis que les chars flottent puis tout ça. Fait que j'ai découvert que c'était pas à cause que mon ordi chauffait pantoute. C'était vraiment un problème avec le jeu. Probablement que à force d'essayer différents modes pour faire changer les graphiques puis tu sais comme avec le soleil, l'air puis les reflets puis tout ça. À force d'en essayer 2-3 puis de réinstaller un autre par-dessus, il restait probablement des résidus de ces modes-là. Puis ça faisait un conflit entre eux autres, puis c'est ça qui faisait ça. Parce que la semaine passée, j'ai essayé de filmer l'épisode de la GRC, comme ça m'avait été suggéré, puis ça prenait même pas 10 minutes dans le jeu, puis ça commençait déjà à le faire. J'ai checké avec des apps qu'on peut installer sur l'ordinateur, j'ai checké la température, puis la température est belle. Je suis rendu à 6 fans dans ce boîtier-là, donc c'est vraiment pas à température le problème. Donc c'est ça, finalement pour décider de tout nettoyer comme faut, puis tout faire le ménage, puis que mon ordi run comme un œuf, ben on a reformaté le disque dur au complet. Fait que là, il a fallu que tout, je réinstalle le jeu, les mods que j'avais installés, tous les chars, tous les uniformes, les bus, les métros, les drapeaux, les sirènes. Non, c'est vrai, j'ai oublié les sirènes. Fuck. En tout cas, donc c'est vraiment gros de l'ouvrage à tout réinstaller. J'ai aussi des nouveaux mods que j'en ai profité pour réinstaller tant qu'à être là. Des nouvelles sorties sur le site de lspdfr.com. Un qui est génial, qu'on va voir beaucoup aujourd'hui, c'est appeler du backup quand on fait un traffic stop, dans le fond, une intervention avec un autre véhicule. Avant, on collait un code 2 ou un code 3, le char arrivait, fonçait dans tout, tuait du monde, se tuait probablement lui-même ou moi. Restait là 15 secondes, après ça, il partait. Fait que là, le mode là, ce que ça fait, c'est que le policier arrive, se parque doucement en arrière de notre véhicule, sort du véhicule, puis s'en vient du côté passager du véhicule qu'on a intercepté. Donc, vraiment génial, ça fonctionne bien. Il y a quelques petits bugs là encore à travailler parce que c'est nouveau comme mode, mais ça va très très bien. Il y en a d'autres aussi qu'on a installés, je ne rentrerai pas en détail dans tout ce qu'on a fait, à moins qu'on le voie. Aujourd'hui, on va patrouiller avec la Sûreté du Québec, on va faire un épisode de trafic. J'ai sorti le bon vieux Charger avec la flèche. Donc, il y en a beaucoup qui aiment ça, puis qui s'ennuyaient de ce véhicule-là. Fait que c'est ça qu'on va faire. Il a mouillé une partie de la journée, mais là, ça a l'air à s'être passé, c'est nuageux un peu. Mais on va aller voir si on peut pogner des gens qui vont trop vite. Donc, si vous êtes prêts, attachez vos bottes, on y va.
119 le Sabre GT là. 124 même au départ. 119 c'est la vitesse que moi j'ai vu en deuxième, mais il freinait. Fait que 124. On va le rattraper. On va le rattraper. Ça a l'air d'être plaqué de l'Ontario. Get over to the right side, please. Tassez-vous à droite. A little bit more. Suite au CGA, je vais être en triple 4 avec un Sabre GT noir. On est vis-à-vis de la station service direction ouest sur la route 1. Bon. Bonjour monsieur. Gab le Gamer avec la Sûreté du Québec. Vous savez pourquoi je vous arrête? Ouais, 124 sous le radar dans une zone de 90. Donc je vais avoir besoin de votre permis de conduire, s'il vous plaît. Matriculation, preuve d'assurance du véhicule. Marco D, parfait. Puis monsieur D, j'ai une odeur de marijuana qui me vient au nez là, quand je me suis approché de votre véhicule. Est-ce que vous savez ça pourrait être quoi? Vous avez pris des drogues de dernières heures? Oui, ok. D'accord, bon ben, je vais aller faire mes vérifications là, puis on va en reparler tantôt. Donc restez là, là, ça sera pas long, je vous reviens. Bon, moi il est en aille. Monsieur Marco Day. Marco Day. Permis valide, il n'y a pas de mandat, ça fait la troisième fois qu'il se fait arrêter. En fait, c'est la quatrième, il s'est fait arrêter trois fois dans le passé. Son véhicule, les plaques sont valides, les assurances sont valides, tout est bon. On va checker avec le dispatch. Le 18 au CGA, j'aurais besoin d'un type 1 s'il vous plaît sur une plaque de l'Ontario. 01 Richard Queen Victor 356. Target vehicle license plate 01 Robert Queen Victor 356 no 1099. Rien de spécial. Ok, on va y donner une chance. Je l'ai pogné deux fois au radar. Je veux faire. Ça m'intrigue la drogue par exemple, l'odeur que j'ai là. Pouf, ça sent déjà. Ok, monsieur D, juste pour vérifier, juste pour être sûr, on va vous faire passer un test, un nouveau test qu'on a au sein de la Sûreté du Québec. Ça fonctionne un peu comme l'ivresse-sommeil, sauf que c'est pour détecter le cannabis puis la cocaïne, l'utilisation de celle-ci dans les dernières heures, dans les dernières minutes. Il y a un résidu qui reste dans la bouche, dans le fond, quand on consomme ces substances-là. Vous avez juste à... mettre ça sur votre langue, le petit bâton là, sur votre langue. Puis ça va prendre un échantillon de salive. Si la lumière allume vert, c'est du cannabis. Si ça allume rouge, c'est de la cocaïne. Cannabis. Bon, donc d'après ce test-là, vous auriez pris du cannabis, de marijuana dans les dernières heures. Ce qui compte comme étant avec les facultés affaiblies au volant. Je vais vous demander de sortir du véhicule, s'il vous plaît. Salam, monsieur D. Scumbag! Je suis pas capable de vous arrêter. Wow, 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 wow. Non, à terre, les mains dans les airs, puis à terre. À terre. Oh. 18 au CGA, 1 minute maîtrisée. Bon, Marco D. En plus, vous êtes agressif avec moi.
Donc, vous allez placer en état d'arrestation pour conduite avec les facultés affaibles par la drogue. Le droit de garder silence sur ce que vous dites qu'on vous peut être retenu contre la loi. Un avocat de l'office. Tout le monde a compris? Bon, c'est bon. On va juste... Assisez-vous là-dedans. We have a criminal resisting arrest bon. On va sortir le pad d'étiquette. Donc aujourd'hui, on vous a pogné 30 au-dessus de la limite. Donc c'était une zone de 90, vous étiez à 123. Donc 33 km/h au-dessus de la limite. Tout le reste était valide. Ça compte comme, dans le fond, c'est un grand excès de vitesse. Donc ça compte comme conduite dangereuse. Vous avez été... c'est qui est... Facultés affaiblies, comme ça. Puis, on va vérifier quelque chose. Non, il n'était pas en possession. Bon, parfait. C'est assez. Hein? On est rendu à 5000 pièces de vente. Pour, juste pour les facultés affaiblies, là, c'est un bon montant de ça. Donc votre véhicule va être saisi pour 7 jours, votre permis aussi pour 7 jours. Donc vous allez pouvoir passer en cours. Le juge va décider si vous pouvez reprendre le volant en attendant votre procès. Vous avez 30 jours pour contester les autres infractions, là, comme la vitesse que je vous ai passée. Vous avez 30 jours pour contester ça. Je vous conseille fortement d'en parler à votre avocat, il va vous expliquer comment procéder avec ça. Donc nous, on va vous appeler un transport. 18 au chevet, besoin d'un transport de la cliente. Envoyez-moi aussi une remorqueuse pour le Sabre GT. Bon, parfait. Lui est parti, le towing s'en vient. J'espère qu'il ramassera pas le char de police. Non, c'est bon. Parfait. Ok, un autre défaite. Bel job ça! 18, mon traîneur 19. Dispatch calling unit 1 King 18. We have a code 99 in Palato Forest. Ouais, le 18, attachez-moi ça. Bon. Copy that. We're moving right now. Roger. Ok, donc on est en train de faire du radar, puis on a eu un appel d'un de nos agents qui a besoin d'assistance. Qui a fait une interception, puis il se sent pas en sécurité. Donc, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ok. Donc on va aller l'aider, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc on l'entend déjà, il est juste à côté du poste de shérif. Il y en a un direct en face qui aurait pu répondre à cet appel-là. Mais bon. Il devait être en train de checker Netflix, puis il n'a pas le temps. Le 18, je vais être 10-12. Salut partner! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu comprends pourquoi que les gens portent pas leur ceinture de sécurité? Par lâcheté. Le véhicule en avant portait pas la sienne. Reste alentour le temps que j'écrive son ticket. Ouais, ok. On va aller l'attendre ici.
prie un peu en attendant. Bon, pas plus compliqué que ça. C'est tout? Bon, ben c'est bon. Ok, donc un simple étiquette. C'est pas tout le temps les appels les plus excitants, mais on a fait notre part. C'est beau ça. Hein? Attendez-vous à droite dans l'écartement, s'il vous plaît. Comme ça, c'est beau. 18 au CGA, je vais être en triple 4 avec un Bison bleu. On est sur la route 1 direction Est, juste à la sortie du village. Envoyez un additionnel s'il vous plaît, il y a trop de putain dans le véhicule. Ah, notre véhicule de backup qui s'en vient, qui essaie de trouver une façon de se mettre comme faut. Ah. Ouais, une façon comme un autre. Positionne derrière nous, il sort de son véhicule, puis il vient nous rejoindre. Bon. C'est une entrée pas si pire, mais du travail à faire. Au moins, il ne nous a pas rentré dans nous. On va aller leur parler. Bonjour monsieur, Câble Gamer avec la Sûreté du Québec. J'imagine que vous savez pourquoi je vous arrête. Ouais. Il y a comme deux personnes de trop dans votre véhicule. J'aurais besoin d'une pièce d'identité, s'il vous plaît. Permis de conduire, immatriculation, preuve d'assurance du véhicule. Monsieur Bach. Ok, parfait. Attendez-moi un instant, je reviens avec ça. Donc, Cédric Bach. Checker dans notre ordinateur, M. Cédric Bach. Valide, pas de mandat. Ça fait 4 fois qu'il se fait arrêter. Fait. Le véhicule, lui, ça dit quoi? Assurance est valide, matriculation est valide, tout est beau là-dessus. On va vérifier avec le dispatch pour être sûr. 18 au CGA, j'aurais besoin d'un type 1, s'il vous plaît, sur une plaque du Québec. 2-5 Henry Nora, Victor 2-4-6. Target license plate. 2-5 Henry Nora Victor 2-4-6 No 1099. Bon, ok, ok. Tout va bien avec ça. Ok. Bonsoir, M. Bach, merci de patienter. Voilà vos informations. Donc, j'ai pas le choix, je suis obligé de vous donner un billet d'infraction aujourd'hui pour les deux personnes dans la boîte en arrière. Là. Même si c'est eux qui sont en arrière, c'est vous qui êtes responsable, c'est votre véhicule, c'est vous qui êtes au volant. Donc, ça compte comme une négligence criminelle d'avoir des gens comme ça. C'est car surfing qui appelle ça. Il n'y a pas vraiment de terme francophone, même sur le site de la SAC, ça s'appelle car surfing, c'est de la négligence criminelle, M. Bach. Donc, ça vous vaut 1550$, 12 points d'inaptitude. On va aussi saisir le véhicule aujourd'hui. Donc, vous avez 30 jours pour contester l'amende ou pour la payer. Le véhicule est saisi 7 jours. Après quoi, vous allez pouvoir venir le chercher au poste. On va vous donner l'adresse de la fourrière, moyennant les frais de la fourrière. Donc, c'est ça. Pouvez pas faire ça. C'est très dangereux. Il peut tomber. Il n'y a pas de ceinture de sécurité. Tellement de choses qui pourraient mal aller dans cette situation-là. Donc,
C'est pour ça que c'est aussi dispendieux. Je vais vous demander de sortir du véhicule, s'il vous plaît. Toutes les 6. Parfait, merci. Il en reste 2. Il en reste 2. Ah ouais, on descend. Tout le monde descend. Ok. Merci, merci. Bon. Encore le towing. Tout le monde s'en va sur le cellulaire, traverse la rue. Good. Bon, donc le towing s'en vient. Nous autres, notre partner, il est stické là. Hey, tu peux-tu croire ça? Faut-tu être sans dessin? Le towing. Part avec le véhicule. Et voilà, lui il retourne dans son char. Puis on va faire pareil. Bon, un autre de fait. F18 au CGF, montrez-moi à 10-19. We've got a 148 on Route 68. Ouais, le 18, attachez-moi ça. Donc on a un appel, une interception en code 5 qui ont besoin d'assistance. Donc on va se placer en conséquence. Ok, monsieur, sortez avec les mains dans les airs. Fuck non. Je leur dirai pas une troisième fois, sortez avec les mains dans les airs. Gun! Tout un réflexe. Wow. 18 au CGS, suspect neutralisé, il a sorti un arme pointé sur nous. Envoyez-nous au service d'urgence, s'il vous plaît. Attention all units. Medical aid requested on Great Ocean Highway. Officers report a civilian shot. Fire truck responding code 3. Okay. Bon. Ça, c'était du réflexe, hein? On va arrêter les sirènes, on fait besoin. Donc, c'est ça. Le suspect a été arrêté probablement pour ça. La police a demandé tous les véhicules de répondre pour les aider à amener le suspect à se rendre. Puis, il s'est pas rendu. Il a sorti un gomme, l'a pointé sur nous. Réflexe, double tap, comme on nous enseigne à l'académie. 2 balles. Malheureusement, la deuxième balle l'a atteint au visage. Donc, ce fait a été neutralisé. Normalement, on est supposé de viser pour la masse corporelle pour leur donner une chance de survivre. Puis les arrêter par la suite. Donc, mais bon, dans le feu de l'action, des fois ça arrive. Alors, espérer que les paramédics sont capables de faire quelque chose. Non, rien à faire. Can't let it slow me down. All right, d'accord. Attention, monsieur le paramédic.
Info 18 au CGA, j'aurais besoin des coronaires sur les lieux, s'il vous plaît. Ben, un truck de pompier va essayer de sortir de là en Austin Powers. Il en fait réussir. Paramédic s'est rendu à son ambulance. Ouais. Lui aussi, il va essayer de sortir de là. Oh, quasiment réussi si ça n'aurait pas été du camper. Pendant ce temps-là, le coroner arrive sur les lieux. Bon. Matin au bras. Ok, ben nous autres, on va terminer ça là-dessus. Donc, merci d'avoir été là pour l'épisode numéro 36. J'espère que vous avez apprécié. Je sais que ça a été long. Vous avez été patient. Je vous remercie beaucoup pour ça. Comme toujours, un petit like, un petit partage. Me dire que vous appréciez ce que je fais. Vous avez aimé ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous avez aimé, ce qu'il faudrait changer, ce qu'il faut qu'il reste. Ce que j'ai oublié de réinstaller peut-être. Tous vos commentaires sont lus, je réponds à ceux que ça vaut la peine de répondre. Puis c'est ça, merci beaucoup d'avoir été là, on se voit au prochain épisode, bye bye.